La Provence et le terroir grassois sont intimement liés à l'histoire de la maison Dior. Terre d'inspiration, Christian Dior y acquiert sa dernière propriété, le château de la Colle Noire, dans laquelle il affirme se sentir autant couturier que parfumeur. La Monnaie de Paris s'est inspirée de la première fragrance de la maison Dior pour créer une collection de pièces d'exception qui met en lumière les codes esthétiques chers aux couturiers parfumeurs, le nœud couture et la forme iconique du flacon, mais aussi son étoile fétiche et bien sûr les roses de grâce qui brillent au cœur de la fragrance Miss Dior.